Bonjour, c'est Biba Pedron Business et Mindset Expert. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez manifester la vraie abondance dans tous les domaines de votre vie? Si vous me suivez déjà depuis un moment, vous connaissez déjà mes programmes des Abundance Retreat. La dernière a eu lieu à Dubaï en septembre dernier et la prochaine a lieu à Miami. Alors, on me demande pourquoi j'ai appelé ça dans un nom anglais, Abundance Retreat, et pas, pourquoi pas dire la retraite de l'abondance. D'abord parce que, toujours pareil, si vous me suivez depuis le début de l'année, sinon vous allez le découvrir, mon mot qui résume l'année, c'est global. Global, pourquoi? Parce que mon but, c'est de vous emmener, vous aussi, à développer votre business à l'international. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la chance, en tant qu'entrepreneur, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce au Zoom et à tout ce qui se passe d'un clic de souris, vous pouvez être connecté avec la planète. Que ce soit à l'international francophone, à l'international anglophone, mais en tout cas, vous avez la possibilité, vous aussi, de développer votre business au dehors de simplement du local ou simplement du national. Et quand on développe son business en dehors des frontières, eh bien, on le développe encore beaucoup plus rapidement. Alors, pourquoi Abundance Retreat? Tout simplement parce que justement, en le mettant en anglais, ça fait un programme à l'international aussi, puisque le suivant, en septembre 2023, aura lieu de nouveau à Dubaï, mais cette fois-ci en anglais. Pourquoi j'ai créé l'Abundance Retreat et ces 3 jours d'immersion? D'abord parce que mon but, c'est justement que vous puissiez comprendre que grâce à votre business, vous pouvez avoir la même devise que moi. Ma devise, c'est de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, en étant sûr que l'argent ne soit jamais un problème. Et c'est pour ça que je parle toujours de créer sa propre économie. Qu'est-ce que ça veut dire créer sa propre économie? C'est encore plus vrai maintenant. J'en parle depuis plus de 10 ans, mais peut-être qu'en ce moment, c'est encore plus vrai. Parce que vous voulez, grâce à votre business, être indépendante. Et vous avez noté que je n'ai pas dit indépendante financièrement quand on vous parle partout. Indépendante, c'est de faire justement ce que vous voulez et que votre business vous permette ce que vous voulez. Et qu'une fois que vous serez indépendante, l'abondance financière, l'indépendance ou l'indépendance financière également viendra. Mais c'est beaucoup plus important avant tout d'être indépendant, de gérer votre business comme vous le voulez, de le gérer là où vous voulez, de pouvoir le développer au rythme où vous voulez, ce qui fait que quand on crée sa propre économie, ça permet aussi, ben dans des périodes comme en ce moment, inflation, limite récession et ce genre de choses, ou en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on paye le double ou le triple pour tout, votre business, si vous avez un business à profit, va vous permettre de traverser cette période sans problème du tout ou sans trop de problèmes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un business à profit, vous savez faire plus d'argent si vous avez besoin de plus d'argent. Mais ce n'est pas faire plus d'argent parce qu'on a beaucoup d'argent. C'est juste de faire suffisamment d'argent dont vous avez besoin, vous, par rapport au lifestyle, par rapport au style de vie que vous voulez. Votre lifestyle n'est pas nécessairement le même que le mien. Ce n'est pas le même que mon lifestyle n'est pas celui de ma coach non plus. On a chacune notre niveau. Et peu importe quel est votre niveau. Le tout, c'est que votre business vous permette de réaliser ça, d'avoir le style de vie et le lifestyle que vous souhaitez pour que vous puissiez justement faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, sans que l'argent ne soit jamais un problème. Alors justement, c'est quoi l'Abundance Retreat? C'est une immersion de 3 jours. Et qu'est-ce que l'on fait pendant ces 3 jours? La première journée est consacrée à votre mindset. On va aller très, très profondément au fond de votre tripes, peut-être à un point où vous n'êtes jamais allé, parce que l'intérêt, c'est que pendant ces 3 jours, vous n'êtes plus dans votre environnement habituel, vous êtes complètement transporté ailleurs. Comme a dit une participante, on est déconnecté, on est en mode avion, on n'a pas la famille, on n'a pas la surcharge mentale, on n'a pas les enfants, on est là juste pour soi, on profite de ces 3 jours. Donc vous allez pouvoir aussi penser autrement. Donc le mindset, on va très très profond au fond des choses, peut-être là où vous n'êtes jamais allé, parce que peut-être que personne ne vous y a jamais emmené, pour voir véritablement qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer comme vous souhaiteriez avancer? Et comment on va pouvoir faire un shift très rapide de tous ces problèmes-là? Parce que justement, on est en petit groupe. On n'est pas dans une salle où il y a 100, 500, 1000 personnes, où on va entendre des choses, vous allez avoir de l'information, mais vous n'allez pas savoir comment vous le rapporter à vous. Non, on est en petit groupe. Chacune a le temps
de s'exprimer. Chacune a le temps d'aller très loin. Et c'est beaucoup plus facile de s'exprimer et d'être vulnérable et de parler de ses problèmes ou de ses doutes ou de ses peurs quand on est dans un petit groupe. Et en plus, qu'est-ce qui se passe à l'Abondance Retreat, que ce soit Dubaï ou Miami? C'est What happened in Vegas, stay in Vegas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à Dubaï ou ce qui se passe à Miami, reste à Dubaï et à Miami. Donc, vous savez que vous êtes dans un environnement sain où les personnes sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous aider à monter plus haut. Et donc, dans ce mindset, on va aller voir un état d'esprit XXL, comme je dis, puisqu'il n'y a pas de traduction française au mot mindset, pour véritablement aller mais en profondeur et vous poser des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées ou qu'on vous a jamais posées, pour vous obliger à penser différemment. Et pour faire en sorte que tout ce travail-là, on puisse le faire en une seule journée. Ce que probablement on ferait en 2 mois, 3 mois, si on était en coaching, là, on peut tout faire dans cette journée-là parce qu'on ne pense qu'à ça, on ne fait que ça et on fait le tour de la table pour voir les problématiques des unes et des autres. Et vous allez vous rendre compte que quand vous entendez parler des problématiques des unes et des autres, vous allez bien sûr vous aussi vous reconnaître et que l'expérience des unes et des autres va également vous aider. Alors oui, il y a beaucoup de pleurs sur cette journée. Pourquoi? Parce que ça permet justement de se lâcher. Des choses que vous ne pouvez peut-être pas partager à votre entourage, votre époux, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre famille, vos amis. Peut-être qu'il y a des choses où, parce que vous êtes entrepreneur et qu'ils ne le sont pas, ou peut-être qu'il y a des choses où vous pensez que vous êtes vulnérable et que vous ne devez pas dire ce genre de choses parce que vous êtes mère ou parce que vous êtes une femme entrepreneur et que vous êtes censée être solide. Eh bien, là, c'est l'environnement pour justement lâcher prise et lâcher tout ce que vous avez à dire pour que, une fois pour toutes, ça explose, si je puis dire. Et qu'à partir de là, on puisse passer à l'étape au-dessus. Donc la première matinée, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Et l'après-midi, on commence justement à régler des problèmes, régler des croyances limitantes. Et si vous avez déjà entendu les témoignages des participantes de Dubaï, ou si vous cliquez sur le lien en dessous pour les suivre, vous verrez qu'elles vous diront qu'elles ont le sentiment d'être dans une bulle. Et que pour passer à l'étape au-dessus, il y a juste à faire, comme elles disent elles-mêmes. Et que mon but à moi, c'est que vous vous rendiez compte que tout ce qui se passe justement pendant ces 3 jours, ce soit votre futur, ce soit le début, c'est la porte vers quelque chose d'autre. Et que ce mindset, il ne va pas juste rester à Dubaï ou à Miami une fois que vous reprenez l'avion, mais c'est quelque chose qui a changé complètement et qui va vous permettre de voir les choses différemment après, de voir les choses beaucoup plus grandes et d'avoir une envie et une vision beaucoup plus grande. Ce qui fait que vous allez partir avec plus de tout, plus de vous-même et plus d'envie dans ce que vous voulez. Et donc la deuxième journée, eh bien, quand on a bien bien travaillé votre mindset et qu'on est allé au fond de votre trip, eh bien on va pouvoir travailler sur votre marketing. Ça veut dire qu'on va travailler vos offres, on va travailler vos tarifs, va travailler votre confiance qu'on aura déjà bien travaillé avec le mindset la première journée, mais suffisamment confiance en vous pour avoir confiance dans votre expertise pour enfin vous vendre à votre vraie valeur et non pas vous sous-vendre comme font souvent les femmes solo-entrepreneurs. Mais se dire, bah oui, mais moi aussi, je peux avoir des offres à 5 000, des offres à 10 000, des offres au-dessus. Oui, moi aussi, je peux faire une journée à 6 000 ou à 7 000. Oui, moi aussi, je peux faire ça. Et que vous preniez conscience avec le nouveau mindset que vous avez, que grâce à votre business, à l'expertise et à la transformation de vie que vous apportez à vos clients, vous avez le droit de monter à l'étage supérieur et de passer à l'étape supérieure également. Et que plus vous allez monter votre business et votre expertise et vos offres, plus vous allez vous rendre compte que d'abord, vous allez attirer des personnes beaucoup plus motivées, qui vont suivre vos conseils, qui vont avoir des résultats et non des personnes qui vont se chercher des excuses en permanence, que ça va vous prendre nettement moins d'énergie pour aller trouver des clients à votre tarif haut de gamme qu'à vos tarifs à 47, 97 ou moins de 500 euros. Et puis surtout, que vous allez transformer la vie de vos clients. Parce que je dis toujours, démarre un business parce qu'on a une passion, parce qu'on a une expertise, mais notre business doit nous servir à transformer notre vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer sa propre économie, mais que dans ce que l'on délivre, on doit aussi, nous, et c'est notre devoir, de transformer la vie des gens. Donc, plus vous allez avoir des clients motivés, qualifiés, plus vous allez pouvoir transformer leur vie également.
Donc ça, c'est le deuxième jour, c'est la journée marketing. Et alors la troisième journée, que j'appelle Adventure Day, mais que je devrais peut-être baptiser Celebration Day. Parce qu'on a travaillé énormément sur votre mindset, on a travaillé énormément sur votre plan marketing et vous allez repartir avec le plan marketing pour les 12 prochains mois, avec des pensées beaucoup plus élevées que ce que vous pourriez avoir avant. Et c'est le moment de célébrer ce passage à votre nouvelle vie, de célébrer ce nouveau lifestyle, ce nouveau état d'esprit que vous avez et ce nouveau style de vie que vous allez avoir. Et que vous acceptiez aussi vous de dire à partir de maintenant, mon business peut me permettre aussi d'avoir ce style de vie. Alors à Dubaï, on a fait du yacht le matin et je me souviens que quand on est arrivé devant le yacht, tout le monde dit, mais jamais je suis montée sur un yacht. Eh bien justement, c'est ça. Alors, le yacht, c'est juste l'image, parce qu'il faut bien que j'emmène les gens quelque part. Il y a du yacht également à Miami, mais c'est juste l'image pour montrer de faire des choses qu'on n'a jamais fait et de se dire, ah oui, ben moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux me payer ça avec mon business. Je ne dis pas que vous allez prendre le yacht, vous allez aller sur un yacht tous les jours, et je ne vais pas sur un yacht tous les jours non plus, mais de se dire que je peux le faire, alors que je pensais que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes, à une élite. Non, non, que vous compreniez exactement que votre business peut vous amener au lifestyle de votre choix. Alors, l'après-midi, le premier soir à Dubaï, d'ailleurs, je les avais emmenés dans un hôtel au 77e étage où il y a la piscine la plus haute du monde et on avait une vue magnifique sur Dubaï. Et c'est vrai que pour beaucoup, ce moment-là est resté gravé dans leur mémoire. Et d'ailleurs, si vous écoutez les témoignages, vous verrez, c'est un moment assez unique et qui, comme dit une des participantes, ça a permis de prendre de la hauteur sur notre business. On était tellement haut au-dessus de la ville que ça nous permet aussi de faire la relation, entreprendre de la hauteur par rapport à notre business. Ensuite, à Dubaï, on est allé dans le désert, on a fait du 4x4 dans les dunes, on a dîné. Aussi dans le désert avec un dîner spectacle. Et puis, je fais toujours une surprise. Donc, la surprise de Dubaï, c'était ce qu'on appelle les flying dress. Donc, c'est des robes, si vous avez vu les photos très, très longues qui font 7 mètres de diamètre, pour avoir des photos lifestyle, parce qu'on a une photographe qui est professionnelle qui nous accompagne également, parce que c'est important dans votre business de montrer votre lifestyle. Non pas de le montrer pour dire, regardez, j'ai un ego comme ça et voilà ma vie. Non, mais pour montrer aux personnes qui vous suivent, aux personnes qui ont envie de travailler avec vous, que leur vie, ça peut être aussi ça. Que vous savez transformer votre vie, que vous allez pouvoir transformer leur vie. Et puis, la surprise, c'est toujours parce que moi, ça me fait plaisir de faire des surprises. Alors à Miami, il y aura une autre surprise que je ne peux pas vous dire, sinon ce ne serait pas une surprise, donc il faudra être présente avec nous. Mais là encore, je pense que j'ai choisi quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait, parce que mon but, c'est de vous mettre dans la tête des images de choses que vous n'avez jamais faites, pour vous dire maintenant, oui, c'est possible. Et je ne pensais pas que c'était pour moi, mais ça fait aussi partie de mon futur, ça fait partie des choses que je peux m'offrir et que je peux faire grâce à mon business. Donc, vous voyez, c'est vraiment 3 jours très intensifs qui vous permettent de ne vous consacrer que sur vous, votre vie perso, votre vie pro, le business, puisque la journée marketing, mais que ça fasse un déclic dans votre tête pour vous dire oui, moi aussi, je peux avoir cette vie-là et surtout, je peux avoir la vie que je me suis choisie. Non pas la vie qu'on me dit que je dois suivre, mais la vie que je me suis choisie et que ça, vous puissiez l'obtenir grâce à votre business. Et bien évidemment, plus vous avez un business à profit et plus vous pouvez avoir plus de tout. Et puis en fait, le séminaire, c'est 3 jours, mais en général, les participantes arrivent pour la semaine, arrivent le samedi d'avant jusqu'au lendemain du séminaire. Et c'est aussi une façon d'être super connectée. Et c'est pour ça que je tiens en fait que ce soit un petit groupe, que je prends maximum 10 personnes. Il y en a déjà 5 d'inscrites. Il veut dire qu'il ne reste plus que 5 places, donc il faut vous dépêcher. Mais c'est aussi parce que dans un environnement qui n'est pas le vôtre, qui n'est peut-être pas quelque chose que vous connaissez, alors certaines effectivement sont déjà venues à Miami ou à Dubaï, mais c'est dans un environnement où on est tout ensemble, on est en groupe toute la semaine. Déjà, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une nouvelle famille. C'est ce que disent les participantes également. Elles sont de Dubaï, sont très, très connectées et elles se sont créées une famille.
Et puis, c'est l'occasion de faire des choses ensemble, pas simplement le séminaire, mais d'aller faire des visites ou d'aller ne serait-ce que faire du shopping, mais faire des choses ensemble et avoir cette vie-là aussi que vous ne vous accordez probablement pas parce que vous vous accordez peut-être pas une semaine entière juste pour vous. Sans l'époux, sans la compagne, sans les enfants, sans personne, juste vous occuper de vous. C'est quand la dernière fois où vous êtes occupé de vous? Déjà une seule journée, mais 3 jours en séminaire et la semaine complète juste pour vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre mindset et de votre style de vie. Donc justement, le but d'être ensemble, c'est aussi de partager le logement. Donc là, pour les prochaines qui viennent, puisque le logement a déjà été déterminé, alors même s'il n'est pas inclus dans les tarifs qui sont indiqués, mais si vous le souhaitez, vous pouvez partager un appartement de luxe qui est dans mon quartier, à 5 minutes de chez moi, où vous allez pouvoir avoir cette ambiance justement d'être à plusieurs, de partager, de faire des choses, d'échanger, d'avoir aussi peut-être des conversations que vous n'avez pas d'habitude entre vous parce que d'habitude, on est toujours pressé et que là, une fois de plus, vous avez la semaine entière. Donc, vous avez déjà le début de la semaine pour faire connaissance, faire des choses. Et puis après, on a ces 3 jours-là qui vous emmènent un petit peu à l'étape au-dessus et vous font comprendre au moment où on va finir cette journée et on finit bien évidemment par un dîner dans un resto branché de Miami Beach, parce que à Miami, on est un peu obligé de passer par Miami Beach, de vous dire ma vie à partir de maintenant, voilà ce que c'est. Ça n'est plus ce avec quoi je suis arrivée ou avec mes pensées limitantes que je pensais que peut-être mon business et ma vie, ça ne pouvait être que ça. Non, vous allez switcher, vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de vous rendre compte que, en fait, votre vie, il n'y a pas de limite. Et c'est ça mon but de créer pendant ces 3 jours avec ce petit groupe, une fois de plus, pas un grand groupe, pas un groupe où il y a 50, 100 ou 1000 personnes où je vais vous donner plein d'informations et vous allez rentrer chez vous en disant ben, j'en fais quoi de ces informations-là, mais que toutes les choses se fassent pendant ces 3 jours, que vous le réalisiez, que vous le célébriez la 3e journée et que vous rentriez chez vous avec une vision complètement différente. Et comme le disent certaines des intervenantes, effectivement, de se dire, bah oui, l'objectif que je me suis donné à Dubaï, je l'ai réalisé. Ou j'ai réalisé que telle et telle chose, c'était pour moi. Et qu'il suffit, par contre, bien évidemment, de continuer à travailler derrière, parce qu'il n'y a pas de baguette magique non plus. Donc, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre pendant ces 3 jours d'immersion pour l'Abondance Retreat de Miami, donc les 7, 8 et 9 juin, et éventuellement partager la semaine aussi tout ensemble, il vous suffit simplement déjà de cliquer sur le bouton qui est en dessous. Vous allez voir les témoignages des participantes de Dubaï. Et déjà, 3 des participantes de Dubaï sont réinscrites pour Miami. Donc, c'est qu'a priori, il s'est passé des choses. Et même si elles savent pertinemment que c'est le même séminaire, elles n'en sont plus, ce sont plus les mêmes. Elles ne pensent plus de la même façon, elles n'ont plus la même vision et elles ont vu comment leur état d'esprit a évolué, leur mindset a évolué pour leur permettre de passer à l'étape suivante au business. Et là, elles vont encore passer à l'étape encore suivante de leur business. Donc, voyez déjà leur témoignage à la fin des 3 jours. Voyez certains témoignages après plusieurs mois pour voir avec le recul justement ce qui s'est passé, ce que ça leur a apporté et pourquoi elles reviennent également à Miami. Et puis, vous allez voir donc le programme, je vous l'ai donné, mais vous allez voir aussi si vous souhaitez nous partager le logement avec les intervenants. Bien sûr, vous pouvez aller dans un autre hôtel ou vous pouvez aller ailleurs, mais c'est aussi sympa de partager tout ça ensemble pendant la semaine. Vous cliquez en dessous, vous allez avoir les témoignages, vous avez ensuite le bouton pour voir l'intégralité du programme et de vous inscrire. Vous avez la possibilité de faire un paiement en une fois, en 2 fois et voire même en 3 fois, mais attention, vous devez faire votre paiement en 3 fois avant la fin du mois. Ça vous permet d'étaler effectivement les paiements et d'avoir tout payé, d'être sûr que tout est payé avant même de partir, avant même et pour pouvoir profiter pleinement de ces 3 jours. Donc l'Abondance Retreat Miami, c'est fait pour vous mettre dans une bulle où vous allez faire des choses différentes, vous allez penser à des choses différemment, vous allez aller beaucoup plus loin, au plus profond de vous, pour qu'on ait des réactions le premier jour sur le mindset, que ces réactions sur votre mindset vous permettent de faire un bond dans votre marketing également et d'avoir une vision beaucoup plus grande. Et puis 3e jour, de célébrer votre nouvelle vie et de comprendre que ça aussi, cette vie-là, c'est possible pour vous, quel que soit le lifestyle ou le style de vie que vous ayez envie d'avoir. Donc, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous.
et vous aurez toutes les informations. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous vous demandez si c'est pour vous, si vous êtes suffisamment avancé dans votre business ou est-ce qu'il faut avoir un business, il y a différentes options, possibilités. Ça dépend de là où vous en êtes au niveau de votre mindset. Ça dépend de là où vous en êtes également. Si vous voulez lancer un business, c'est possible. L'année dernière, 2 des 6 personnes étaient prêtes à lancer leur business, mais ça dépend de l'état d'avancement de votre projet pour pouvoir venir. Donc, si vous avez des questions particulières, vous vous demandez si c'est pour vous, il vous suffit simplement de me contacter, vous regardez tout, et puis ensuite, vous me contactez par Messenger, sur Facebook ou via LinkedIn en fonction de là, vous voyez cette vidéo, et on voit si ce programme est fait pour vous. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et regardez le témoignage des participants de Dubaï. Ça va vous permettre de comprendre quel type de résultat vous aussi vous pouvez obtenir. Voilà, donc cliquez en dessous.